Salut tout le monde, c'est Brickshaw, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo gaming d'aujourd'hui les gars. On se retrouve sur Brawl Stars, nouvelle saison, nouveau pass. Mais d'abord, il me semble qu'il y a la petite perte de trophée. Voilà, c'est ce qui me semblait. Bon, on va pas faire une vidéo encore une fois exprès pour la perte de trophée. On en fera une si on bat notre record. Et je pense pas qu'on va le rebattre. On va refaire dans les alentours de 6000 et quelques points stars. Voilà. Mais là, on fait d'abord une vidéo, voilà, je voulais d'abord vous montrer la petite perte de trophées quand je me connecte, vite fait, c'est cool. Et aussi, voilà, on va faire que 6000 et quelques, quoi. Voilà, 6290, on n'a pas fait de chiffre rond, on n'a pas battu le record comme 7000, ou voilà. On est resté un peu pareil. Voilà, donc cette vidéo consiste où, vous le voyez dans le titre, je vais acheter le Brawl Pass saison 11, voilà, nouvelle saison, la saison de Eve. Il y a la nouvelle saison, on va déjà la découvrir, cette nouvelle saison. Et on va acheter le pass et récupérer le skin. Bon, d'abord, on récupère. Voilà, entrée dans le biodrome. Skin exclusif et bien plus. Mais je m'en bats les couilles. Hop, la petite paire, les petites récompenses de Ligue de Club. Et là, on a récupéré, on a 60 000 points stars. C'est juste énorme, les gars. Attendez, désolé poteau, si je t'invite pas, je me mets. C'est juste que là, je suis en vidéo, là. Je fais une petite vidéo où j'achète le Brawl Pass. Donc, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, amigo. Alors, on récupère. Voilà, parfait. On a une petite demande d'amis. Non, me dis pas que c'est encore lui. Et il fait que me spammer en ami, là. Arrête de me spammer en ami, t'as que 21 000 trophées, ça ne suffit pas, je suis à 35 000 trophées. Enfin là, j'ai eu la perte de trophées, je suis baissé. Je peux que autoriser les en dessous de... Seulement à partir de 25 000 trophées, après je peux pas vous avoir en ami. Voilà, déjà là, on a plein de resets à mettre, on a plein de resets à mettre. C'est juste énorme. Et on a, voilà, le nouveau brawler Eve, maintenant, qui est maintenant là. Et la nouvelle saison... Nouveau Brawl Pass, nouvelle saison, voilà. On va directement s'acheter le pass et valider quelques quêtes. Bon, level 4, on se les fera hors vidéo, mais pour vous dire, les gars, j'ai énormément de récompenses d'avant. Là, ils disent, il vous reste des récompenses à récupérer pour la saison 9. Si vous ne les récupérez pas bientôt, elles seront ajoutées à votre compte automatiquement. Les points de pouvoir que vous n'avez pas récupérés seront convertis en pièces à la fin. Voilà, donc je préfère qu'on les récupère, les gars. Dans cette vidéo, on va les récupérer pour se les mettre à broc. Bam! Tout dans broc. Parce que là, ils me saoulent, ils disent que j'ai pas récupéré mes anciennes récompenses. Donc là, c'est bon. Là maintenant, j'ai plus que les points de pouvoir les points de pouvoir que j'ai gardés qui me restent de la saison 10. On les garde parce qu'on sait jamais si on va avoir un nouveau brawler durant les packs opening qu'on fera des nouveaux paliers que j'avancerai au futur. Donc bref, les gars, on s'autorise d'ouvrir cette première grosse boîte histoire de fêter ce nouveau palier. Ça fait plaisir, ce nouveau... Voilà. On va directement acheter le pass, les gars. On achète le pass. Allez, c'est parti. Quand on aura le pass, on aura la possibilité de récupérer Eve. Mais d'abord, il faudra avancer. Hein. Eve, qui est vraiment pas mal. Apparemment, elle peut aller au-dessus des lacs et tout. Donc, on va s'acheter le Brawl Pass saison 11. Brawl Pass saison 11. Alors, on screen, histoire de garder un souvenir. Je me prendrais bien le Brawl Pass plus 10 paliers. Mais pour vous dire, les gars, c'est de l'arnaque. Tu payes beaucoup plus cher juste pour 10 paliers en plus. Autant s'acheter le Brawl Pass simple et qu'il me reste assez pour le prochain. Je préfère ça. 3, 2, 1. Voulez-vous vraiment acheter le Brawl Pass? Oui, je vais acheter ce fucking Brawl Pass. 3, 2, 1, les gars. Dites-moi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous aussi vous avez acheté le Pass saison 11. 3, 2, 1. Voilà. Passe débloqué. Ça fait plaisir. Saison 11. Le biodôme. Qui est vraiment super. Et là, ouais, on a déjà eu. On a déjà 6 quêtes à faire d'avance. Ouais, et je me rappelle dans le dernier, dans la vidéo Park Opening qu'on avait fait. Que j'ai sorti là qui est en ligne. J'espère que vous l'avez aimé. Et ben, on a maxé tous nos brawlers. Là, il n'y a plus que le Carl avec pouvoir 9. Mais j'ai pas beaucoup de pièces. En revanche, ouais, j'ai pas beaucoup de pièces. Donc là, les gars, on va se récupérer le petit skin de Ricochet Luciole, qui a l'air vraiment pas mal. 3, 2, 1. Allez!
ça fait plaisir. Ricochet, Luciole. Voilà, c'est cool. Le petit Rico, ben, on va directement tester le skin, on se le testera, voilà. Histoire de voir. Putain, les gars, ça a vraiment l'air pas mal, là. Il est où, ce petit Ricochet? Why, tue sa grand-mère. Papa, papa, papa. En gros, Ricochet, il vole. Au lieu de marcher comme ça, comme un petit Rico, il vole. Ça fait plaisir, les gars. Il est en train de voler au lieu de marcher. Eh ben, c'est cool, c'est cool. De mon côté, les gars, je vais faire mes quêtes. Voilà. De mon côté, hors vidéo, bien sûr. Je vais continuer à... je vais tout simplement mettre mes risettes. Voilà. Les mettre au calme. Allez, tous les mettre risettes pour être tranquille. Là, on a eu les récompenses de trophées. Donc là, on a de quoi s'acheter quelques petits trucs. On a boule lion. Mais il me semble que j'ai assez de skins de boule. J'en ai vraiment beaucoup, les skins de boule, les gars. Vraiment, sans vous mentir, j'en ai vraiment beaucoup. Ça, hein, je rachète en plus un skin de lion. Moi, je préfère avoir un skin pour chaque brawler. En fait, les gars, moi, je suis plus le genre de mec qui préfère avoir un skin pour tous les brawlers, que j'ai tous les brawlers, au moins que j'ai un skin de tous les brawlers, plutôt que beaucoup de skins sur un brawler et aucun sur les autres. Voilà. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va s'acheter des petits points de pouvoir et on va les mettre sur Brock. Les gars, on est des malades, on le veut pouvoir 11. On le veut pouvoir 11. On est des tarés mentaux. On est des tarés mentaux. On claque, on dépense. C'est vraiment... Là, on est à 2500. Eh ben, c'est pas grave. On continue. Jusqu'à le mettre pouvoir 11. Bam. Allez, et encore. Et bam, voilà. On peut encore... Est-ce que 1 suffira? Oui, il me semble que 1 suffira. Bam! Plus des pièces. C'est cool. Voilà. Des petites pièces. Allez, on va se racheter des pièces. On dépense. Voilà, comme ça, là, on en a 900. On est bien, on est déjà mieux. Et là, on va rester dans les 2000 trophées. Allez, vous savez quoi? Dernier achat de la ferraille. Et c'est tout. Et après, on arrête. Voilà, on reste à 2000. Au cas où, on a un gros truc à s'acheter. Voilà, donc là, déjà, on a le Brock qui est max. C'est-à-dire qu'on... Que vraiment là on peut plus trop l'améliorer. Il est max. Là j'ai les équipements à les améliorer pouvoir 4. Donc du coup le premier équipement il sera max. Donc le pouvoir 10 sera maxé. Puisque j'aurai tous mes équipements pouvoir 4. Donc il me reste encore 4 à améliorer. Plus besoin de maxer le Brock puisqu'il va être pouvoir 11. C'est un truc de fou. J'espère que vous avez bien aimé cette séquence. Voilà où j'achète le nouveau Brawl Pass saison 11. Moi je suis super content de ce Brawl Pass. J'espère qu'il sera bien. J'espère qu'il sera cool, vraiment, je vous dis la vérité, j'espère vraiment qu'il sera bien, on récupérera Eve, donc pas Copenhagen, comme d'habitude les gars, faites-moi savoir dans les commentaires si jamais vous voulez que ça change, parce qu'on fait souvent la même chose ces derniers temps, on fait des packs opening du palier 1 au palier 30, après du palier 30 au 50, ou 55, et après du palier 55 au 70, c'est toujours la même chose, après on a quoi, on a Eve, cuirassé, à récupérer, il est pas mal aussi, vraiment, c'est du tout nouveau. Bref les gars, cette séquence d'achat, j'espère aussi que vous l'avez aimé. Allez sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars si c'est pas fait. Je vois que beaucoup de gens qui regardent les vidéos ne le font pas. Activez la cloche pour rater aucune de mes vidéos qui sortiront. Lâchez un like si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez acheté le Brawl Pass. Voilà, si vous avez assez de gemmes. Si vous allez maxer le Brawl Pass pour directement avoir Eve. Etc. Sur ce les gars, je vous dis bye.